et bienvenue pour un épisode inédit lié au commerce. Professionnels de la restauration, ce message s'adresse à vous. Notre menu du jour, trouvez le restaurateur qui fera de ce local l'adresse à ne pas manquer. Vous êtes en plein Cheville-la-Rue, au cœur de ville, dans un local de 300 mètres carrés qui peut compter environ jusqu'à 50 couverts. Et le petit plus, c'est qu'il y a déjà du matériel de disponible, notamment chaises en osier, chaises bistrot, four à pain, cave à vin, etc. Le petit atout aussi qu'il va falloir travailler, car c'est exactement ce qu'attendent les Chevillais, une belle terrasse, qui elle aussi pourra compter dans les 20 couverts. Les Chevillais attendent une nouvelle carte, et le nec plus ultra, ce serait d'avoir un aspect brasserie ou salon de thé qui pourrait nous accueillir toute la journée pour prendre un café ou une crêpe au sucre. Vous êtes à côté de la place Nelson Mandela, qui est une place piétonne avec de nombreuses animations. Mais le petit plus, c'est qu'il y a un parking avec du stationnement de 50 places gratuit juste derrière. De quoi ravir vos nouveaux clients. Et puis, avouez que c'est quand même une belle vitrine. Sur cette avenue, ce sont environ 12 000 véhicules qui passent par jour. Donc autant vous dire qu'une belle enseigne, ça ne passe pas inaperçu. Si vous êtes professionnel de restauration avec l'envie d'un nouveau projet, si vous êtes en reconversion professionnelle avec l'envie de vous lancer, ou si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui serait intéressé, alors n'hésitez plus et consultez d'ores et déjà l'appel à projet qui se trouve sur le site de la ville.